你是原来的，你是。哎，对。哎，这边慢点啊，这边慢一点。李鹏总理回到延安的消息传出后，人们奔走相告，许多人等候在李鹏总理经过的路口，向李鹏招手致意，欢迎总理再回到延安了。我离开延安已经五十年了，能够在五十年后回到延安和大家一起过年，感到十分的高兴。我代表党中央、国务院，代表江泽民主席。La symbolique longue marche chinoise est un thème souvent abordé en Occident.Mais l'établissement d'une base révolutionnaire juste après l'événement demeure peu connu. Cet endroit se nomme Yan'an. Malgré la guerre incessante et les conditions de vie médiocres des révolutionnaires, Yan'an a été le théâtre des plus heureux et inoubliables souvenirs de la mémoire collective chinoise. Dans ce programme, nous allons vous faire découvrir la magie de Yan'an, qui a fait de cette base révolutionnaire un lieu dominé par l'espoir.Je m'appelle Aurora, bienvenue dans Objectif Chine. Yan'an se trouve sur l'une des terres les plus anciennes de Chine, dans une province du nord-ouest appelée le Shanxi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville abritait le quartier général des forces révolutionnaires et a servi de cadre à la victoire contre l'agresseur japonais.Ouvrant ainsi la voie vers la libération de la Chine. Chu Xiaoming est une professeure retraitée de l'Académie du film de Beijing. Elle se rappelle sa petite enfance passée à Yan'an. À l'âge de 2 ans, elle a fréquenté l'une des écoles maternelles de la ville.我们那个保育院是延安第一保育院，我们住的那个地方呢是一个山上。De nombreux orphelins et enfants d'anciens révolutionnaires venaient des quatre coins du pays pour fuir la guerre et trouver un refuge à Yan'an. L'ancien premier ministre Li Peng était lui-même le fils d'un martyr.Un enfant réfugié qui arriva à Yan'an à l'âge de 13 ans. Ce que 山呢，向着东边，就是它的方向是面向东边，面向着延安的那个沿河滩。所以我们每天早上呢就要出来站在那个窑洞外头晒太阳。Les habitats troglodytiques étaient les demeures typiques des habitants de Yan'an et des régions du nord-ouest de la Chine avoisinant le plateau de Lhos. S'adaptant au climat et au terrain de la région, de nombreuses familles vivent toujours dans ce type d'habitat aujourd'hui.住跟平房住有什么区别？窑洞热天是凉的，冬天是暖和的。哦，嗯，所以住在窑洞是好一点。好的。哦、嗯，窑洞可好了、哦，到冬天那会儿门一关，可暖和了。哦。到热天的时候也是不烧火了，哦、在外边烧就凉了。Si vous regardez autour de vous, il est encore possible de trouver des habitations troglodytiques demeurées intactes depuis la Révolution.
Voici une maison troglodytique typique de la période révolutionnaire de Yan'an. Elle est en fait creusée dans le flanc d'une montagne. Les grands murs arqués font environ 3 mètres de haut, laissant juste assez de place pour une petite table, quelques tabourets et un lit derrière moi. C'est très modeste et plutôt basique. Les grottes servaient non seulement de maison, mais aussi de salle de classe. Les conditions étaient très dures, comme se souvient bien Shu Xiaoming. Il y avait pourtant des moments et des activités qui rendaient les enfants heureux. Il y a un souvenir bien particulier que Madame Chou n'oubliera jamais. En dépit des dures conditions de vie à Yan'an, les enfants étaient très bien traités par les habitants, et cet esprit de bienveillance est à jamais gravé dans la mémoire collective.
那我这个成绩是比较还是比较好吧，头几名吧，技术打得好。Yan Han est un spécialiste des beaux-arts. Il est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs sur bois chinois. C'est à Yan'an qu'a débuté sa longue carrière artistique. Yan Han n'était pas seul pendant sa longue marche. Après que le Japon ait déclaré la guerre à la Chine en 1937, des milliers de personnes venant de toute la Chine se sont ruées vers la base du Parti communiste. Marcher en direction de Yan'an était une opportunité pour les patriotes de se rassembler et de résister aux ravages causés par la guerre. Le Parti communiste grandissant de Yan'an attira alors l'attention et le soutien de tout le pays.延安呢，当时的情况呢，这个情绪啊，那种抗日的情绪高扬，青年人的热情啊表现出来，这个成群结队啊，这个口唱歌曲啊，一二三四队伍走，嘴巴唱抗日的歌曲。Des écoles ont été ouvertes pour initier les jeunes, entre autres à la politique, à l'entraînement militaire et à l'art. L'endroit qui abritait l'école d'art de Yan'an et où M. Yan étudiait la sculpture sur bois avait sa propre et unique histoire. L'église fut transformée en école d'art après que les communistes arrivèrent en ville. Elle fut baptisée l'Institut d'art Lusun en référence au célèbre et très influent écrivain chinois du XXe siècle. La présence de cette église dans les montagnes du nord de la Chine est l'un des exemples illustrant la rencontre entre l'Orient et l'Occident. L'école dispensait des cours de musique, de beaux-arts, de théâtre et de littérature, autant de voies permettant aux jeunes révolutionnaires d'exprimer leur exaltation. Yan Han s'est consacré à la sculpture sur bois, non pas par vocation pour cet art, mais plutôt par obligation. Je peux rien dire. Rien dire, pourquoi ? Où que vous êtes, vous êtes que vous, il y a que vous êtes中国人。我们带他去，我们带他去呢，什么也没，像学油画，油画没有了，学中国画，中国画连毛笔都没有，油画什么没有，那是就叫我们学木刻，学木刻隔着三把刀子，当然我的木刻刀很多。这个是原始的三把刀子，我留下来了。Étant donné que le pays était en guerre, trouver du matériel artistique s'est parfois avéré être une tâche très difficile. 原来没有材料，就是山里头的野树，野树梨木板，梨树，把它砍来了，包成木板。像我这种话，这原话就这么大，那梨树就这么粗了。这个油膜。都是从西安的买来的，条件非常困难的，生活了很苦啊！一冬天的时候，这木板床下面都一层冰啊，我把孩子冻坏，都两人放在中间睡，这个都不觉得苦是苦，但是我精神很高兴。Monsieur Yan a dû apprendre à déprécier son travail artistique lorsqu'il est arrivé à Yan'an. En effet, et afin que les œuvres artistiques soient à la portée de la classe ouvrière,
l'école demanda à ses étudiants qu'ils aillent au contact des locaux. On est住在农民家里头，住在农民家里，关系非常好，像一家人似的。我们都有称呼的，大姨啊、大娘啊，哥哥啊、姐姐啊、妹妹、啊、都是互相像一家人似的。因为住在了农民家里，替他挑水啊，干什么，扫院子啊，干什么的，这样，帮着他生产呐、啊，或者干什么的，都是这样。所以像一家人非常好，农民说对我们也非常好。所以有这样一个情况，和了一个谢老太太来点亲人帮助用。La décision de Yan Han d'étudier à l'école d'art marqua un grand tournant dans sa vie. Au bout de trois mois, il alla sur les champs de bataille pour décrire les scènes de guerre. Ce sont ses travaux sur la guerre qui lui permirent de se distinguer des autres artistes. Depuis, il est devenu un artiste de renommée mondiale et ses œuvres sont présentées dans de nombreux livres et magazines étrangers, au musée Guggenheim ainsi qu'au siège des Nations Unies à New York. Aujourd'hui et malgré son âge, il conserve encore de précieux souvenirs de son séjour à Yan'an. Ces drôles de petits objets sont des sculptures faites à partir de racines d'arbres. Ces sculptures particulières ont été réalisées par cet homme, M. Zhang Tiao. Mais qui aurait donc pu imaginer qu'une personne entretenant une telle passion soit en fait un dentiste? Aujourd'hui retraité, il fut l'un des seuls dentistes de Yan'an. Il se rappelle parfaitement les conditions de travail très difficiles dans lesquelles il œuvrait à l'époque. 我感觉最困难的一个问题啊，就是我原来是在治疗室，我带一个护士在治疗室，因为治疗室就是刚才说的那个原因呢，椅子啊不能升降，所以每天弯着腰还得要这个侧着身子弯着这个看，特别是看上边的牙的时候，那非常困难。后来呢？ 我就这个腰和整个背疼，就弯不下腰了，这个也不能直着坐。L'une des plus grosses difficultés auxquelles M. Zhang a dû faire face était la pénurie de médicaments de première nécessité et de matériel de base. 前期啊，还有美国的这个材料可以用。后期呢，这些材料就快用完了，就不敢敞开用了。比如说，石膏就要自己烧，补牙的银粉，就是汞合金银粉，那个后来也就剩很少一点，就不敢这个用了。我们就自己配。En tant que dentiste, Zhang Tiao a eu une carrière fructueuse et a reçu de nombreuses récompenses pour sa créativité et son dévouement à la profession. Malgré toutes les épreuves, il conserve un bon souvenir de la ville. 同志之间互相那个关系就特别特别亲感的。现在回忆啊，我这一生啊，延安是最快乐的一段。为什么？因为那时候那个精神上非常愉快，精神上非常愉快，没有任何负担。Les habitants de Yan'an ont traversé de rudes épreuves, mais ont mené une vie paisible et heureuse.
Cependant, la réalité du monde extérieur s'imposait. La Chine était en guerre et Yan'an était menacée. Voici un abri anti-aérien. Entre les années 1937 et 1945, la ville de Yan'an a été bombardée une douzaine de fois par des centaines d'avions de chasse japonais. Mais comme vous pouvez le voir, ceci n'est pas un abri comme les autres. Il a été creusé dans le flanc d'une montagne. Suivez-moi. Ça fait du bien de sortir de là. Je n'arrive pas à imaginer autant de gens à l'étroit dans ce petit espace pendant si longtemps. Bien que tout le monde devait faire face à la dure réalité de la guerre, il semble que le moral des habitants restait inébranlable. La persévérance et l'optimisme des habitants se traduisaient de différentes manières, et leurs visages souriants ont profondément marqué ceux qui vivaient là et ceux qui visitaient la région. Leur joie de vivre était autant ressentie par les Chinois que par les étrangers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des journalistes des quatre coins du monde se sont rendus à Yan'an pour y faire des reportages. Ils travaillaient pour l'Associated Press, Reuters, le New York Times et bien d'autres. La plupart d'entre eux se sont rendus à Yan'an dans le but d'apprendre comment les Chinois combattaient leurs agresseurs japonais. Stephen McKinnon, professeur à l'Université d'Arizona aux États-Unis, est l'un des plus grands journalistes étrangers ayant visité Yan'an. Part of the Yan'an spirit is a much more international embracing of the outside world. So, there are some foreign representatives who come to visit. I remember we sent a gift. 就是我们在山上采的野花啊，一些植物啊，然后把它压成标本，把它做成礼物送给他们。 Les hôtes qui accueillaient les étrangers venant visiter Yan'an tâchaient de leur fournir des logements parmi les plus confortables, mais cela restait difficile étant donné l'appauvrissement de la région. That and the popularity of the leaders like Zhu De and Mao, Peng Dehuai, and so on, He Long, those personalities impressed them a lot. Impressionnés par tout ce qu'ils avaient entendu sur Yan'an et ce qu'ils y avaient vu de leurs propres yeux, les journalistes firent des comptes rendus détaillés dès leur retour dans leur pays. Pendant leur séjour, les étrangers nouèrent des liens très étroits avec les habitants de Yan'an. Afin de pouvoir écrire des articles précis et vivants, nombreux sont ceux qui ont essayé de vivre de la même façon que les locaux, allant même jusqu'à adopter leur style vestimentaire. Beaucoup d'entre eux ont ainsi voué un fort attachement émotionnel à la ville. Yan'an est bien sûr devenue populaire en tant que base révolutionnaire établie après la Longue Marche.
mais elle a aussi beaucoup attiré l'attention des étrangers grâce à son énergie vraiment unique. Cet esprit était nouveau en Chine et même dans le monde entier et a fait don d'un nouveau sort à l'humanité. Si vous souhaitez découvrir d'où vient l'esprit de Yan'an, suivez notre prochaine émission. C'était Aurora pour Objectif Chine.